Bonjour, mon bisou. Cartable sur le dos ou à la main, la plupart des 41 élèves se pressent pour retrouver les copains. C'est la directrice de l'école qui accueille les parents et les nouveaux inscrits de cette rentrée. Ils sont 7, et parmi eux, des tout-petits. Parce qu'il y a d'autres petits-enfants qui le pressent. Le directeur est allé à l'école. L'enseignement à l'école de Serra di Ferro est réparti en deux secteurs. D'un côté, 16 élèves du CE2 au CM1, déjà prêts à travailler. De l'autre, 25 élèves de la petite section de maternelle au CP. Beaucoup de sourires sur les visages pour ce premier jour de classe, à l'exception de quelques pleurs qui seront vite séchés par la maîtresse. De quoi rassurer les parents. La petite, elle a que 2 ans et demi, c'est sa première rentrée, mais elle connaît déjà tout l'environnement. Elle vient voir les enfants à la sortie d'école depuis déjà l'année dernière. Et on sent quand même que les enfants sont encadrés réellement. Moi, la directrice, c'est son instit, ça a été mon instit à moi, petite. Donc, oui, sincèrement, c'est quelque chose de très bien. À l'heure de la récré, l'ambiance est joyeuse et vivante. La rentrée se passe en douceur, aussi pour les nouveaux. J'aime bien l'école et je me fais des nouveaux amis. Et à chaque rentrée, en fin de compte, il n'y en a que quelques-uns de nouveaux. Donc par rapport aux grosses écoles où tous les petits rentrent le même jour, où il y a des pleurs, là souvent il n'y en a que 3 ou 4 de nouveaux. Donc en fin de compte, ils sont pris en charge aussi par les plus grands et ça se place plutôt bien. C'est donc un nouveau départ pour ces écoliers dont les jeux vont égayer la vie de tout un village.